Bah je te suis hein, t'es... Ça va. C'est toi le patron. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Ça va, ok. Je t'entends, attends, je vais monter le son. Vas-y, parle pour voir. Ouais, tu m'entends? Ouais, nickel, parfait, super. Impeccable. Ah putain, ça déchire. Alors, ici, c'est à gauche. On a le temps de passer. Ouais, j'ai le temps, ça passe. Ça passe comme papa dans maman. Ok. Ah, on n'a pas fait le coup de klaxon. Ah ouais, merde. Attends, faut qu'on va. Ouais, attends, on va le côté. Bon, mets ça à côté de moi, on va le faire comme ça. Ouais, ça roule. Ouais, mais avec les moteurs, ça va être chaud patate. Attends. Non, sans problème. Vas-y. Allez, roule. Ouais, c'est bon. C'est bien entendu. Ah ouais, donc toi, un jeune permis, t'as acheté ta moto neuve. C'est ça. Putain, moi, le truc, j'aurais peur, quoi. Parce que moi, j'ai... Écoute, ouais. Bah, je me suis dit, tant qu'à faire, au moins, je suis sûr qu'elle sera jamais tombée. Ouais. Que le rodage aurait été fait comme il faut, dans les règles de l'art, etc. Quoi. Ouais, mais si tu te pètes la gueule, parce que jeune permis, t'as plus de chances de te péter la gueule que... Ouais. Que vieux permis, quoi. Enfin, ouais. Que pas jeune. Non, c'est sûr. Bah, ça m'est arrivé une fois, et c'était dans un champ, donc j'ai rien eu, la moto non plus. Ah ouais, putain, ça va. Ouais. T'as fait un tout droit? Ah, j'ai fait un tout droit, ouais. En fait, à un passage à niveau, il y avait une bosse, et juste après, il y avait un tournant à droite, mais serré, et j'avais pas vu qu'il y avait une bosse. Je me suis chopé la bosse, et du coup, j'ai pas su tourner. Ah ouais, forcément. Ah, des fois, la route, elle est piégeuse, hein, putain. Ah oui. Oh oui. Et vous, les routes en Belgique, c'est... Ah, c'est la merde. Non, on peut le dire. C'est vraiment spécial, quoi. Putain, faut avoir un permis belge. Pas un permis français, quoi. Un permis belge. Ouais, j'avoue. Parce que les nids de poules, c'est un truc de barge, quoi. Ouais. Ah non, mais il faut une moto de cross ici, hein, carrément. Ah ouais, non, mais c'est faut le trail, quoi. Ouais. Faut le trail. Ouais. Bah normalement, je vais passer sur ça pour la prochaine. C'est vrai ? Ah bah ouais. Tu vois, moi aussi c'est pareil, parce que moi les roadsters c'est bien, c'est sympa et tout. Mais niveau confort, ça, voilà, moi il faut que je fasse de la route quoi. Ah ouais. La moto c'est plaisir, c'est pas pour taper des bourres, mais c'est pour faire de la route. C'est la balade, ouais clairement, c'est pour ça moi aussi. Mais bon, au début quand t'es jeune permis, voilà, tu lorgnes les roadsters parce que ça fait classe, parce que machin. Ouais. Mais moi j'ai passé l'âge de ces conneries. Moi ici c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Parce que c'est un roadster à la base et en même temps bon, ouais, c'est vrai que bon, c'est déjà un peu différent. C'est vrai que tous les mecs en disent que du bien la S. Je parle de la S hein. Même la N est bien. Ouais. Mais la S tout le monde en dit que du bien. Donc ouais, j'ai pris pardon, une petite Vertis 650. Ouais, la nouvelle elle est bien. La hein. Nouvelle ouais. Elle est bien. Moi elle aurait pu m'intéresser s'il était un tout petit peu plus puissante pour le duo. Et alors qu'il y avait des jantes à rayon et pas à bâton quoi. Bah tu peux prendre la 1000 mais il n'y a pas de jantes à rayon. Ouais, je crois. Mais elle est beaucoup plus lourde justement. Et en plus c'est un 4 cylindres. Ah oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Oh putain. Ah maintenant je peux plus roter dans mon casque, bordel. Ça va, ça m'est pas entendu ça. Ah, il filtre trop bien les bruits hein. Faut croire que les développeurs ont dit non, les roues et les P, ça passe pas. Ouais, non, ça il faut pas qu'on le mette les gars. Faut rester correct. Oh là là. C'est deux chouettes petits virages ici. Ah ouais. Quand il fait bien sec. Quand il fait, ouais, c'est ça. Mais là maintenant, on va pas faire les fous. Non. On va éviter. Hein. On va rester calme. On va aller voir par là à gauche. Vas-y. Là, c'est magnifique par ici, putain. Ouais, ouais. Attends, tu vas voir. Putain, il y a un château et tout. Ça te déchire. Un petit scout, on lui fait signe, allez, on lui fait signe. Allez, salut copain, il s'en branle. Complètement. Mais voilà, c'est ça. À chaque fois, je me prends des vents par les scouts. C'est un truc de ouf. Pareil. C'est rare quand ils disent bonjour et encore plus merci. Ouais. Alors ici, c'est l'endroit où je venais m'asseoir après le boulot. Putain, ça déchire.
C'est magnifique. Salut. Il nous a fait signe comme si c'était un devoir. Tout à fait. C'est assez solennel. Hein. C'est ça, c'était le devoir conjugal, le truc. Bonjour. Votez pour moi. C'est ça, ouais. Il nous a fait le limite représente. Putain, ça glisse ici, bordel. Ouais, faut faire attention. Surtout sur les dalles là, ici, c'est vraiment la merde. En tout cas, la balade avec l'intercom, c'est magnifique. Ah, c'est clair. Ah ouais, c'est là, c'est mon dépucelage d'intercom et ça déchire. Donc maintenant, je vais filtrer à l'entrée. T'as un intercom, on fait une balade. T'as pas d'intercom, on fait pas de balade. Pour toi. Ah, c'est vraiment un petit coin super. Avec ici, avec le petit château. Ah ouais, c'est magnifique. C'est quoi, c'est ici, on est dans Tournai? Non, c'est on est même ici. Ah c'est, oui. Je sais plus le nom de la ville. Je saurais plus dire. L'année passée, ici, il y avait un marché médiéval. Ah ouais, tu m'étonnes, putain. Ouais, c'est costaud. C'est mignon, franchement. Ouais, c'est que le début du château, là. C'est vraiment énorme, la propriété. On va aller voir par là. Vas-y, je te suis. Eh, c'est pas une balle. Wouhou! T'as sorti ta chaîne il y a combien de temps? Début de l'année passée. Je crois que ma première vidéo était en février. Parce que je me souviens de ta première vidéo. Il y a même une vidéo où tu l'as fait il y a pas longtemps après ta truc. Ce qui m'avait surpris, c'est que t'es passé à côté de chez moi. Ah bah cool, le cul-de-sac. Magnifique. Super ça. Sauf riverain et cycliste. Qu'est-ce qu'on fait? On tente? Tu veux tenter quoi? Sauf riverain et cycliste. On est des cyclistes? Bah on est des gros cyclistes hein. Écoute, vas-y, je te suis hein. On va aller mais voir, si hein. Jamais il y a des flics, je te mets tout sur ton dos. Hein. Y a pas de problème, je prends l'entière responsabilité de la chose. Non, je déconne. Évidemment. On va voir ce qu'il y a, je sais pas ce qu'il y a ici. Ouais. Par contre, c'est dégueulasse par terre. Ouais, fais attention là, sur le côté à gauche. Ouais. À mon avis, on n'a pas trop le droit d'être là. Je ne pense pas non plus. What the fuck. On va faire demi-tour. Ah ouais ? Ouais. Ici, il n'y a pas moyen de rejoindre la route. Par contre, il y en a qui s'amusent ici en quad. Ouais. Ah oui, exact. Hop. Alors moi, j'ai pas de rayon de braquage et je suis une quiche en moto, donc je vais y aller doucement. En mode papy. Pas de problème, papy. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est une enclume, cette moto. Elle est bien, hein, tout ce que tu veux, mais c'est une putain d'enclume. C'est la SV, hein, c'est ça, hein, 650? Non, c'est la Bandit. Ah, c'est la Bandit. Ouais, 260 kg. Ouais, plus moins, ah, 100, ouais. Plus moins 100 kg. Ouais. Ah putain, c'est vrai que c'est une grosse mémère, hein, quand même. Ah, ouais. Mais par contre, sur la route, elle est bien. Elle est droite, elle bouge pas, tu vois. C'est sympa. Bon, merci le cul-de-sac hein. Ouais. C'était vache. Je suis sûr que tu savais que tu voulais m'emmener dans un petit coin pour faire des trucs. À vous. Non, je commence. Toi qui n'y a rien. Ah ouais, je commence à craindre pour ma vie là. Par contre, j'entends un crépitement, je sais pas si ça vient de chez toi ou de chez moi. Moi j'entends pas de crépitement, donc ça vient peut-être du mien. D'accord. C'est pas possible, ouais. C'est bizarre. Parce que quand on était à l'arrêt, je l'entendais pas, mais là j'arrête pas de l'entendre. Alors c'est peut-être moi, hein, je sais pas. Mais non, c'est pas possible que ça vienne du bien. Ouais. Attends, vas-y, continue, je vais juste m'arrêter pour voir si c'est moi ou si c'est toi. Ouais. Ouais, non, c'est toi. Ouais. Ouais. Parce que moi je bouge plus. Alors le truc me dit 2 km. Oh putain. Alors attends, j'aurais peut-être pas dû m'éloigner. Hop, là ça va, je suis toujours. Moi. Ouais, mais moi j'entends un crépitement, c'est dégueulasse. Ah ouais, ouais. En fait, plus je m'éloigne de toi et plus ça crépite. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est chelou.
Et là, toi, tu as dû tester le SM. Non, le SH10. Le SMH10, et alors j'ai aussi le SMH10R. Ah oui, c'est le même enfin, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc là, jusqu'à maintenant, là, ce que ton test là, à l'heure actuelle, ça te paraît comment, le SMH10 ? Le SMH10, franchement, il me paraît tout à fait correct, surtout pour le prix. Il est à combien ? Il est à, si je ne dis pas de bêtises, 205 ou 210 euros. 205 ? Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Parce que le S20, enfin, le 20S, pardon, il est, lui, à 270. Je dis pas de conneries. Bah écoute, moi je l'ai payé. Ah ouais, mais moi je l'ai... il était à 259, je crois. Et il y avait un truc sur Moto Blues, donc je l'ai payé à 219, je crois. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai avec. Je sais plus ce que j'avais acheté. Et j'ai le moins cher, il y avait. Il y avait combien ? Il y avait 10% sur le produit le moins cher. Je sais plus comment c'était. Bref, et ça me faisait au lieu de 260, 220. Ah ouais. Donc j'ai pris direct, quoi. Ah ouais, clairement. Et comme je devais acheter un intercom, j'hésite entre celui-là et Scala Rider. Et tu sais, j'ai vu un tweet de, comment il s'appelle, le Baron Von Grubbel. Oui. Il y a un jour, il tweet, il dit, et j'étais sur la... Salut copain. Salut copain. Et j'étais sur Twitter à ce moment-là, et il demandait, il disait, quel intercom faut que j'achète? Et puis alors là, t'as eu une rafale de tweetos qui m'ont dit, C920S. Je me dis, merde, c'est quoi? Je connaissais le modèle. Je dis, merde, c'est quoi? Et les mecs tous disaient, c'est faut acheter ça. Et c'est vrai que quand j'ai regardé les tests sur YouTube, les mecs sont unanimes, quoi. Ouais, c'est vrai que de mon côté aussi. Surtout que moi, je viens d'un Cardo, en fait. Hein. J'avais le Show 1, ouais. Qui est vraiment le haut de gamme de chez eux, et j'en suis plus ou moins content. Je trouve qu'il n'est pas très intuitif, parce que déjà, il y a 5 boutons. Et ouais. Pour chaque bouton, il y a une fonction quasi, donc c'est un peu le bordel. Ouais, c'est chiant avec les gants. Et puis tu dois à chaque fois chercher le bouton. Ouais. C'est vraiment chiant. Et puis niveau volume sonore, une fois qu'on passe les 120, c'est mort, tu n'entends plus rien. Ah ouais, non, ça c'est dégueulasse. Ah ouais, pour la moto, c'est mort. Ah ouais, non, c'est emmerdique, quoi. Après, alors que ici, purée, tu peux monter vachement haut le volume et t'entends vraiment nickel, quoi. Tu m'entends toujours ? Nickel. Ah ouais. Et là, j'entends plus le crépitement. Ça devait être... Ah, je sais ce que ça peut être. Quoi ça ? À mon avis, ça devait être des parasites avec une baraque ou un wifi ou un truc comme ça. Ah ouais, ça c'est possible, ouais. Parce que là, j'entends plus du tout le crépitement. Donc ça peut être ça, ouais. Ou alors un... Comment ça s'appelle les mecs qui font de la radio, là ? Les cibistes. Ah oui, une cibiste. Voilà, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, là, j'entends plus du tout le truc. Ouais, donc c'est impeccable. Ah ouais, c'est nickel. Franchement, le top du top, ce serait que la prise, mais elle enregistre toute la conversation. Mais alors ça, c'est magnifique. Hein. Ouais, mais je crois que j'avais pas vu qu'il fallait faire pour ça. J'ai regardé pour en connecter deux, mais pas une seule. Bah écoute, moi j'ai vu sur la brochure, parce que je l'ai un peu épluché avant de venir, et sur la brochure ils te disent un intercom, donc comme toi et moi, un couple, ça reste en UHD sur la prisme. Oh. Par contre, si tu dépasses les deux, là tu bascules en mode normal, ouais. Et elle prend en compte quand même, elle est censée prendre en compte, donc je sais pas. Ah putain, attends, si c'est vraiment le cas, ça va être génial. Ah bah pour les motovlogueurs, c'est juste le truc ultime, quoi. Là les GoPro, tu t'en as plus besoin. Ouais, non, clairement. Parce que là, les dual vlogs, t'as vu aux États-Unis, les mecs ils font que des dual vlogs avec du produit Sienna. Hein. Ils font pas ça avec autre chose. Ah putain, c'est génial. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire, l'air de rien là. Ouais. Bah, maintenant, faudra voir si ça passe ouais. De ton côté quoi. Ouais. Hop, tu restes là. Ouais. Allez, sois gentil. Ouais. Merci monsieur. En tout cas, le petit coin ici, il est charmant. C'est vraiment super agréable. La Belgique, il y a des beaux petits coins quand même. Hein. Il y a de beaux coins, ouais. Il y a des routes pourries dégueulasses, mais il y a des petits coins sympas. Ouais. Ah, le mieux, c'est tout ce qui est Namur, Wavre. Ouais. Tous ouais. Ces coins là-bas. Ouais, c'est magnifique, ouais. Ouais, Wavre, il va falloir que j'y aille. Un de ces quatre.
Bah, si tu vas en Boteron C4 et qu'il fait potable, bah écoute, je t'accompagnerai avec plaisir. Vas-y, ça sera cool. Ouais, parce que WAF, je suis allé une fois. Ouais, j'ai beaucoup aimé le coin. Et je suis pas retourné depuis. Ah ouais. Mais moi je suis comme ça, des fois je prends la moto et je roule sans savoir où je vais en fait. Ah, c'est comme ça qu'on fait les plus belles découvertes. Ah ouais, c'est magnifique. Et ça c'est un truc, tu vois, que j'ai jamais fait en voiture. C'est con à dire, mais j'ai jamais pris ma voiture pour aller à l'inconnu. C'est une autre approche, hein, la voiture et la moto. C'est ça. Ça n'a rien à voir. La voiture c'est utilitaire, c'est pour aller d'un point A à un point B prévu à l'avance. Mais la moto, voilà, je roule pour, je sais pas. Pour rouler, le plaisir, ouais, c'est ça. Pour rouler et découvrir, ouais, c'est clair. Il y a des gens qui se déplacent et il y a des gens qui roulent. Moi, je roule. Ouais, c'est-à-dire que moi aussi. Putain, c'est toi qui fais tout ce barouf là. Ouais, ouais. Ah, tu C'est quoi, ouais, que t'as mis comme pot dessus? Ici, c'est un Akrapovic. Ah ouais? C'est au-dessus de Termi. Non, c'est pas un Acra, pardon, c'est Terminioni, je comprends. Ah oui, il est Termi. À la base, je devais mettre un Acra, mais ils en avaient plus de stock. Du coup, ils m'ont fait le Terminioni au prix de l'Acra. Putain, c'est magnifique ça. Ouais. Parce que normalement, c'était 1100 boules pour la ligne complète et je l'ai eu à 1000. Waouh! Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est la ligne complète que t'as mis. Ah ouais, pas le choix sur la mienne. D'accord. Ouais, quand j'ai appris ça, je me dis, oh la vache. Ah ouais, ouais, ça pique, hein. Et en effet, ça faisait mal au cul, hein. Et t'as la chicane, t'as pas de chicane? Ah, ici j'ai pas mis de chicane, non. Et tu t'es jamais fait emmerder? Jamais. Bah, moi je sais pas, j'ai jamais eu un point en moins, donc je suis un bon élève. Pour ça, moi aussi, tout ce qui est limitation, en général, je respecte. Il y a que dans les coins où je connais vraiment bien, où je sais qu'il n'y a pas de temps, et là je pousse un peu plus. Sinon, moi je roule assez pépère. Pour ça, je suis assez tranquille. Et même en moto? Ouais, justement en moto, je roule pas en voiture moi. Ah, je roule en voiture. C'est vrai, tu roules jamais en voiture? C'est très très rare. D'accord. Ah ouais. La voiture c'est pour ma femme. D'accord, ok. Ah ouais, donc t'es un vrai motard des. Ah, moi je roule toute l'année en général. Ouais. C'est sauf quand il y a de la neige ou du verglas, là par contre j'essaie d'éviter quoi. Ouais. C'est comme ta vidéo où t'avais acheté ton cuir, c'est cuir moustache quoi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça m'a fait délirer là, le mec il danse. Mais n'empêche que si quelqu'un te voit de l'extérieur, il dit mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce malade? Il y a un mec qui danse devant la glace là. Tu sais que ça m'a fait péter de rire, mais c'est génial quoi. Mais motovlogging, c'est ça, les mecs quand ils nous regardent de l'extérieur, ils disent mais c'est quoi ces gens? Les mecs ils parlent tout seuls, ils dansent tout seuls. Et c'est vrai que d'un point de vue psychiatrique, on est des cas d'école. Ah, je pense, ouais. Ah, c'est clair. Et quoi, alors, ouais. comment t'as démarré le motovlogging, toi? Toi, je sais que tu connais les Belges Run Bike for Life, etc. Ouais. Mais comment t'as commencé, toi? T'as commencé avec eux? C'est eux qui t'ont... Pas du tout. En fait, j'ai commencé dans mon coin, parce que voilà, j'ai toujours envie de faire des vidéos, en fait. J'avais toujours envie depuis des années. Ouais. Et je me suis dit, allez, là, c'est le moment, c'est l'instant. Je vois qu'il y a possibilité, ça peut être sympa avec la moto, etc. Vu que c'est ma passion et que j'ai envie de faire découvrir ça, ça peut être intéressant de faire des vidéos là-dessus. Ouais. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis je me suis dit, allez, je vais peut-être faire un petit tuto ou une petite vidéo sur le permis, parce que le permis belge, il est quand même vachement différent qu'en France. Donc, je me suis dit, allez. Et puis c'est un petit peu près que j'ai rencontré... Ah d'accord, tu les connaissais pas d'avant? Non, pas du tout. D'accord, pas ok. Du tout. Je sais même plus comment c'est venu. Je crois que c'était via Facebook. Ouais. Ils avaient passé une annonce sur un truc, style motard pour toujours, motard de Belgique. Ouais. Et voilà, on va faire une promenade dans ce coin-là. Est-ce que ça intéresse des gens? Et puis bon, on va être présent, quoi. D'accord. Et après, de fil en aiguille, on est devenus potes et voilà. Ah, moi je croyais que tu les connaissais d'avant, que c'était eux qui t'avaient motivé. Parce que je me rappelle pas de ton lancement, mais au tout début de ta chaîne, t'es déjà en contact avec eux, enfin je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, le temps que j'ai le matériel et puis et tout le bazar, ouais. J'étais déjà en contact. Pour ma première vidéo que j'ai lancée, que j'ai postée, j'étais déjà en contact, ouais. D'accord. Ah ouais, c'est. Mais c'est une nouvelle pratique qui est vraiment bien. J'aime bien, moi. Ouais, j'apprécie aussi. Puis il y a toute une communauté derrière qui est vachement motivante et super intéressante. Donc, c'est fait. C'est ça.
Alors ici, je sais pas du tout où on est. Vraiment. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est good. Et si on va aller voir à gauche, qu'il y a. C'est pas sérieux ça. Hein. Avant? Non, non, il m'a salué, ça va. Ah ouais. Enfin, il s'est pas foulé, il a fait juste un signe de tête, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais bon, je vais m'estimer heureux parce qu'il m'a répondu. Ouais, j'avoue. C'est pas souvent le cas. C'est ça. Chez les 50, c'est souvent des vents, et laisser la tempête même. Ouais, bah, à mon avis, ils ont pas l'habitude déjà qu'on leur fasse signe. C'est ça. Moi, quand j'étais en 50, on me faisait pas signe. C'est vrai. Vas-y, passe devant, hein, je te suis, moi. Ouais. Ah là là. En tout cas, c'est vachement sympa la balade moto avec l'intercom. C'est génial. Ah ouais, c'est magnifique. Ça change la balade, en fait. Parce que avant ça, t'es chacun dans son casque, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment magnifique. Je découvre, hein, je suis un débile, mais... Ah non, mais j'ai été comme toi, donc il n'y a pas de souci. Je découvre les plaisirs de l'intercom. Mais tu sais que depuis que je l'ai acheté, c'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer. Parce que j'ai découvert, enfin, la musique en roulant, téléphoner en roulant, enfin c'est... tu vas me dire c'est con, hein, mais vraiment c'est... Parce que j'ai roulé pendant des mois sans rien, tu vois. J'étais isolé de tout le monde. Ouais, clairement. Dans ta bulle et ouais, non, c'est clair. C'est ça, c'est vraiment super agréable. Ah, c'est vrai que je pourrais plus m'en passer non plus. Putain, ça a l'air d'être glissant ici, je sais pas pourquoi. Ouais, faut y aller mollo. Ouais. Tout en souplesse et ça passe. Quand ça brille en général, c'est pas bon signe. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, ouais, ça glisse ouais. À fond, hein? Putain. T'as la BS sur la tienne? Non. Ah ouais. Et c'était volontaire en fait, j'ai fait le con. Ah, j'ai voulu une moto sans ABS. Ah, c'est vrai? Ouais. Et j'ai failli me vautrer plusieurs reprises. Mais en même temps, ça m'a remis les pendules à l'heure. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en achetant une Naked et en achetant pas d'ABS, ça me forçait à pas faire le débile. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que je me suis limité physiquement à pas faire le con. Ouais. Quand t'as pas l'ABS, bah tu fais pas le con. Quand t'as pas de bulle qui te protège du vent, bah quand t'arrives à 140, t'as tout le temps. Voilà, j'ai ma nuque qui va exploser, donc je sais qu'il faut ralentir. Donc tu vois, physiquement, je me suis limité comme ça. Bah, après, c'est ça peut paraître con pour certains, mais bon. Non, si, je vois tout à fait où tu veux en venir. Et puis j'avais, c'était aussi sur les conseils de vieux motards qui disaient que il valait mieux démarrer avec une moto sans ABS justement pour connaître un peu comment freiner, quoi. Ouais, apprendre ouais. À freiner, parce qu'avec l'ABS t'apprends pas à freiner, t'apprends à appuyer sur le machin. Bah quand même, hein. T'apprends à freiner, enfin, en tout cas nous à notre formation on nous apprend à faire en sorte que l'ABS ne se déclenche pas. S'il se déclenche c'est pas bon et on se fait engueuler. Putain, moi, je vais te dire, moi, quand j'ai, tu sais, le freinage d'urgence, ouais. Debout sur le frein, quoi, le truc, il faisait... Et je freinais en 5 mètres, même pas, mais j'ai fait le 5 ouin. Et ils me disent rien, moi, ils s'en foutaient, quoi. Ah putain, non, nous pas, oh la vache. Alors, on devait limiter à mort l'usage de l'ABS, justement pour apprendre à sentir quand elle va partir. Parce que si jamais on n'a pas d'ABS sur notre monture, bon bah c'est mort quoi. Ah ouais, non, moi même tu sais, même le passage du permis, donc c'était devant l'inspecteur, j'ai freiné comme un porc. J'ai activé le GPS, j'allais dire. J'ai activé l'ABS et c'est passé tranquille, j'ai eu un A, donc rien à dire. Moi je me rappelle quand j'ai été acheter la moto, je suis revenu. Il pleuvait comme laisse tomber, c'était pas possible. Et puis j'ai fait le sagouin, j'ai voulu faire le cow-boy avec mon frère. Uh-huh. Et puis j'ai fait un rétrogradage de porcasse. Et je suis parti en glisse, mais pendant 100 mètres quoi, j'ai cru que j'allais me péter la gueule.
La moto était... Ah, t'as eu de la chance, ouais. Quelle grosse chance de copie. Ah, mais je peux te dire que mon slip, je l'ai repeint, quoi. Ah ouais, t'as pu le jeter direct, quoi. Ouais, ça m'a calmé, quoi. Après, là, depuis, j'ai fait gaffe, quoi. Sous le mouillé, j'ai fait gaffe. Parce que je me suis rendu compte que, vraiment, sur le mouillé, ça peut aller très, très vite. Clairement. Parce que mon moniteur, il me disait, mouillé dans la tête. Ouais, le mouillé dans la tête, t'es gentil, mais... Non, il est pas que dans la tête, hein. Il est par terre aussi, ouais. Ah, clairement. Moi, ici, pour ça, j'ai pris des pneus qui sont vachement bons pour la pluie. T'as pris quoi? Des Pilot Road. Lesquels? Des 3. Ah, bah, j'ai les mêmes. Ouais, j'ai les mêmes. Ah, ils sont vraiment nickels. Ah, ils sont nickels. Hein. Et le prochain, ça va être les 4. Ouais, moi, sûrement aussi. Il y a de grandes chances.